Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2020. On va aller voir ensemble les énergies qui vous accompagnent sur ce mois d'octobre. Donc bien évidemment, ça va rester du général, hein, on est d'accord, ça ne peut pas parler à tous les poissons qui vont regarder cette vidéo. Ne prenez que si ça fait écho à votre situation, que si ça répond à certaines de vos interrogations. Si ce n'est pas le cas, vous laissez de côté, ne cherchez pas à faire rentrer ce tirage dans les cases de votre histoire. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'autres messages ou des messages complémentaires. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci sur ma chaîne. Voilà, ça peut arriver bien évidemment. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance, donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question sans plus de détails. Le but de la consultation préalable, c'est de voir si j'arrive à capter votre situation, donc si vous me racontez déjà ce qui se passe, ça n'a plus grand intérêt. Et puis après, voilà, bien évidemment, je vous explique comment on fonctionne pour la suite. Voilà pour le petit préambule. Alors pour vous les poissons, donc j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps sur cette vidéo. On a un tirage un petit peu compliqué, je dois l'avouer. Je pense que pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certains poissons, là on peut passer un mois d'octobre au niveau relationnel un petit peu compliqué. En tout cas, ce message s'adresse à des personnes qui peuvent traverser un passage là un petit peu compliqué. On va commencer tout de suite avec l'oracle de la triade et on a eu la carte du silence et la carte de la fusion. D'accord ? Alors la carte du silence nous parle bien évidemment, pourquoi pas, d'un silence en termes de communication, dans une union, dans un contrat, dans une relation qui est déjà engagée. Mais la carte du silence va aussi nous parler d'une certaine forme de réflexion, de temps de pause. Avec la carte du silence, en fait, on est un petit peu en mode calme, d'accord? En mode réflexion. C'est peut-être un petit peu le prélude, hein, à certaines révélations avec la carte du silence. On est dans cette phase où on ne s'exprime pas encore. On est un peu en travail d'introspection, à la recherche peut-être d'une certaine forme de sagesse, dans une certaine forme de questionnement, probablement par rapport à une relation, à une union déjà existante, probablement avec cette carte de la fusion, un engagement, un mariage, une relation bien ancrée. Avec cette carte, ça ne parle pas forcément d'une nouvelle rencontre. Bien évidemment, ça peut, mais je ne le prends pas comme ça. Avec cette carte du silence, donc, il y a une notion un petit peu de mystère, il y a une notion peut-être d'essayer de comprendre certaines choses dans le cadre d'une relation qui est déjà établie, dans le cadre d'un engagement que vous avez déjà pris vis-à-vis de quelqu'un. Et voilà, on ne dit pas, on n'est pas dans la communication, on n'est pas dans les explications, on n'est pas dans le conflit, hein, on est plutôt dans une énergie sur ce mois d'octobre pour vous, les poissons, où on est en phase de recherche, je pense, de certaines réponses. Alors avec la sagesse de l'oracle, vous avez eu la carte numéro 6 qui s'appelle « Pas pour vous ». D'accord ? Et donc moi j'ai l'impression que là, effectivement, vous allez vous interroger au niveau relationnel sur ce dont vous avez besoin, ce que vous désirez, ce qui est fait pour vous et ce qui ne l'est pas. Peut-être qu'il y a certaines alertes, certains signes, certains drapeaux rouges, entre guillemets, que l'on n'a pas vu dans une relation, que l'on n'a pas voulu voir, d'accord ? Des signes avant-coureurs, peut-être, de quelque chose qui n'était plus en adéquation avec nos envies actuelles. C'est tout à fait possible, ou en tout cas qui ne l'est plus. Okay, peut-être que vous avez la sensation que, voilà, malgré tous vos efforts, malgré tout le dynamisme que vous pouvez mettre, eh bien, rien n'arrive à vous. Hein. Mais avec cette carte, on est en train de vous dire que de toute façon, si certaines choses ne se réalisent pas, si malgré tous vos efforts, si malgré tout votre acharnement, si malgré tous vos espoirs, quelque chose ne se réalise pas, c'est peut-être que justement, c'est parce que ça ne doit pas se réaliser, parce que ce n'est pas pour vous, aujourd'hui en tout cas, ou que ce n'est peut-être pas encore le moment. Soit c'est pas le moment, soit c'est pas pour vous, parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. D'accord ?
En tout cas, c'est pas un mois où on est forcément dans l'action à proprement parler, d'autant plus que on a ici l'heure de la sieste en dodo-dègue, donc qui nous parle plutôt pareil d'un temps de pause, d'un temps de réflexion ou voilà, c'est pas une carte d'action l'heure de la sieste bien évidemment. Donc je pense qu'il y a une réflexion à opérer pour vous les poissons sur ce mois d'octobre, sur une relation existante. Et sur peut-être certains signes avant-coureurs qui ont pu vous faire dire que, en tout cas, cette relation n'était pas adaptée à vos attentes au jour d'aujourd'hui. Possible, bien évidemment, ça ne va pas parler pour tous les poissons, hein. Votre force, avec le Light Seer's Tarot, vous avez ressorti une arcane majeure qui est l'arcane du pape. Donc, de nouveau, avec le pape, on a cette idée d'être dans une certaine forme, et de un, de spiritualité, et de deux, voyez, d'élévation, on cherche cette lumière qui est en haut, il y a une forme de recherche de sagesse. On cherche à comprendre, on cherche à élucider peut-être certains mystères, on cherche à trouver les bonnes réponses à l'intérieur de soi. Le pape peut tout à fait symboliser aussi quelqu'un autour de vous qui peut être de bons conseils, qui peut vous éclairer, qui peut vous faire mettre la lumière sur certains points que vous n'avez pas voulu voir dans le cadre d'une relation. D'accord? Donc, ce pape, c'est vraiment une force bienveillante. Le pape, il est là pour transmettre son savoir, transmettre son expérience, pour être bienveillant, pour valider aussi un engagement. Donc, attention, bien évidemment, tous les poissons ne vont pas être en train de se dire non, mais en fait, non, mais ma relation, j'avais pas vu le truc, en fait, c'est pas du tout pour moi. Non, vous allez vous interroger. Bien sûr que certains d'entre vous en arriveront peut-être à la conclusion que ce n'est pas pour eux, et puis d'autres, suite à cette introspection, en revanche, prendront peut-être l'option d'un engagement. Qu'importe, on est dans cette phase de réflexion, et pour certains d'entre vous, effectivement, il y a certains drapeaux rouges, certaines alarmes, certains signes que vous n'avez peut-être pas voulu voir jusqu'à présent, et sur lesquels vous allez peut-être porter votre attention sur ce mois d'octobre pour voir les choses avec un petit peu plus de clarté, avec un petit peu plus de recul, avec un petit peu plus de distance. Avec le tarot de la bienveillance, vous avez eu le 7 d'eau, donc qui est l'équivalent du 7 de coupe, d'accord? C'est une carte qui nous parle de nos rêveries, de nos illusions aussi un petit peu, hein, de nos fantasmes, de tout notre imaginaire hein, qui peut être très très fertile. Donc il y a vraiment fort à penser que pour vous les poissons, vous allez beaucoup être plongés dans vos émotions, dans votre côté émotionnel. Et ça, Dieu sait que le poisson, il est dans son élément dès qu'on parle de ça. Parce que en dos de deck du tarot de la bienveillance, vous avez la lune qui est là, d'accord, donc qui nous parle de notre émotionnel, de nos intuitions, d'être à l'écoute, là on va puiser dans nos intuitions. Vous avez la carte de l'eau avec l'oracle de la triade, donc il y a encore ces émotions qui sont là. Et ce 7 de coupe nous parle de notre imaginaire, nous parle de laisser aussi libre cours à notre imagination, de laisser libre cours à notre rêverie, de laisser libre cours à votre intuition. Parce qu'avec cette carte, on vous dit aussi que vos rêves, ils peuvent devenir réalité, que les châteaux que vous montez dans vos rêves, ils peuvent devenir réalité si on renonce à une certaine forme de rigidité, si on assouplit peut-être les règles et qu'on demeure dans une certaine flexibilité, dans une certaine ouverture, d'accord? Ne vous laissez pas limiter, ne mettez pas de frontières à votre à ce que vous souhaitez manifester, d'accord? Tout est possible avec cette carte. C'est une carte qui vous invite à ne pas douter de vous, à avoir confiance dans vos ressentis peut-être aussi, à écouter votre intuition avec cette lune qui est en dos de deck, d'accord? Il y a plein de possibilités en fait. C'est pas parce que peut-être une possibilité va se fermer à vous sur ce mois d'octobre, parce que effectivement vous allez peut-être pour certains, bien évidemment, parce que comprendre que une relation n'était peut-être pas, ne vous était peut-être pas destinée, voilà, cette carte du 7 de coupe nous indique que une multitude de possibilités s'offre à vous, du coup, derrière. Ne croyez pas que parce qu'une porte se ferme, voilà, c'est terminé. Non, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc il y a cette idée de sagesse, d'élévation, de rêverie,
de se laisser un petit peu porter dans son imaginaire, d'être dans une certaine forme de silence, hein, de calme, de repos, d'aller un petit peu peut-être creuser au fond de tout ce qui peut paraître un petit peu mystérieux, de tout ce qui est inconscient en vous, hein, peut-être dans votre manière de faire les choses. Avec le tarot, nous avons eu la justice, donc arcane majeure, le cavalier d'épée, l'as de denier, le roi de coupe et le chevalier de denier. Et en dos de deck, nous avons le page de bâton. Alors avec ces différentes cartes, on a quand même cet as de denier qui est en plein milieu, qui nous parle de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle offre, d'une nouveauté, de nouvelles qui viennent à vous. Possible que ce soit une décision qui vienne à vous avec cette carte de la justice, des nouvelles administratives, ou en tout cas une décision qui peut être rendue. En tout cas, j'ai l'impression qu'avec ce cavalier d'épée, c'est quand même une énergie qui peut être assez rapide. Donc ça peut être une nouvelle proposition, une nouvelle offre, une opportunité, un nouveau départ, un nouveau cycle, une nouvelle tout simplement qui arrive à vous assez rapidement, peut-être une décision qui est prise par une personne autour de vous et qui va probablement vous demander de maîtriser peut-être un petit peu votre côté émotionnel avec ce roi de coupe qui peut tout à fait nous symboliser les poissons, signe d'eau bien évidemment avec ce roi de coupe. J'ai ce chevalier de denier qui est à côté. Ce chevalier de denier, il prend le temps de réfléchir, il prend le temps de faire les choses correctement. Il n'est pas comme ce cavalier d'épée qui est un peu dans la précipitation, qui est un peu dans l'impulsivité. Il prend le temps de faire les choses, il prend le temps de réfléchir à la manière dont il veut avancer. Il avance pas à pas, il avance lentement, soit, mais sûrement. Donc il y a une certaine dualité avec ces deux chevaliers qui ressortent dans le tirage, entre cette impulsivité du cavalier d'épée, cette envie d'en découdre et cette détermination, et ce chevalier de denier qui, lui, fait les choses dans l'ordre. Alors, on voit que vous allez avoir, avec ce roi de coupe, la force, la sagesse de ce pape pour maîtriser peut-être les choses entre votre envie d'accélérer et une envie de stabilité aussi. Parce que si on va trop vite, eh bien effectivement les choses ne vont pas forcément s'ancrer dans la durée. Et il y a probablement pour certains d'entre vous, avec ce page de bâton, une nouvelle opportunité, un nouveau désir qui germe en vous, que vous avez envie de concrétiser avec cet as de denier. Vous avez envie probablement de prendre des décisions, de retrouver une certaine forme d'équilibre dans votre vie. Et vous allez devoir composer, je suppose, entre les énergies de ces deux cavaliers. Entre vraiment ancrer les choses dans la matière, faire les choses dans l'ordre, de manière conforme, traditionnelle, rationnelle. Communiquer clairement également avec ce cavalier d'épée, parce que le cavalier d'épée, il est plutôt dans la communication, dans la fougue, hein, il fonce à 100 à l'heure, normalement sur son cheval. C'est vrai que sur ce tarot-là, il est un petit peu plus dark, je trouve, le cavalier d'épée. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de gris qui ressort de lui. Il a l'air plutôt pensif, il peut être pris un petit peu par ces idées noires, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée beaucoup d'émotionnel, beaucoup peut-être de mélancolie pour certains d'entre vous sur ce mois d'octobre, avec cette lune qui est là, avec ce roi de coupe, avec ce sept de coupe, beaucoup d'émotions. Vous êtes dans vos énergies, hein, de toute façon, en tant que poisson, il y a aucun souci. Mais il y a une idée là, effectivement, d'arriver probablement à tempérer les choses par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle offre, une nouvelle opportunité ou une nouvelle tout court, hein, une nouvelle communication, hein, avec ce cavalier d'épée. Alors bien évidemment, vous pouvez avoir face à vous un signe d'air, hein, avec ce cavalier d'épée. Donc signe d'air, c'est Balance, Verseau et Gémeaux, qui peut venir vers vous et qui peut vous faire une offre à laquelle vous allez probablement prendre le temps de réfléchir, d'accord? Prendre le temps avec cette justice de peser le pour et le contre, de bien analyser les choses, de bien chercher à prendre des décisions équilibrées, justes, stables, prospères pour l'avenir, d'accord?
Mais une belle énergie de nouveauté avec cet as et ce page de bâton, donc il y a fort à parier que là, il y a des choses qui vont bouger malgré tout pour vous, malgré ce calme, malgré ce silence, malgré ce mystère, malgré cette rêverie, il y a quand même là une offre, une nouvelle qui va venir pour vous sur ce mois d'octobre, en tout cas pour certains d'entre vous, je le répète une fois de plus, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. J'ai pris ensuite différents oracles. Alors, on a le Line of Love, l'oracle d'Isawat et le Tanis le Normand. Donc, on a eu la carte de l'équilibre du Gentleman et la carte du Serpent. Donc là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, alors pour certaines femmes, ça va être que votre équilibre est peut-être perturbé justement par un homme qui attise votre désir, qui vous tente, mais qui peut être aussi un petit peu avec ce serpent et cette pomme dans la manipulation, d'accord? Attention au péché, attention à la tentation. On sent qu'il y a une situation là qui est un petit peu déséquilibrée par la passion peut-être, d'accord? Et puis si vous êtes un homme, ça peut être vous qui êtes perturbé par le retour hein, peut-être d'une situation avec le serpent, bien évidemment. Ça peut nous parler de séduction, ça peut nous parler de trahison, ça peut nous parler de mensonge. En tout cas, il y a fort à penser qu'on est un petit peu perturbé là, hein, avec cette carte en dos de deck. Peut-être qu'il y a une communication, justement, comme je le disais ici, des nouvelles qui viennent à vous, qui viennent un petit peu chambouler votre état émotionnel et où vous allez devoir faire preuve de self-control pour rester dans le calme, dans la réflexion, dans la sagesse hein, par rapport à ça. Il se peut qu'il y ait quelque chose comme ça qui vienne quand même un petit peu vous perturber les poissons sur ce mois d'octobre. Ensuite, j'ai le rejet, j'ai l'union et j'ai l'étoile. Donc, voyez, on retrouve hein, cette idée-là d'une relation, d'un engagement, de quelque chose de concret hein, dans laquelle on a pu se sentir rejeté, d'accord ? Il y a pu y avoir, là, pour certains d'entre vous, effectivement, une rupture ou il peut y avoir une rupture sur ce mois d'octobre. Mais avec cette carte de l'étoile, c'est comme si vous aviez déjà les réponses. Il y a une idée justement de se laisser un petit peu guider aussi par cette étoile, de garder l'espoir, de trouver une certaine sérénité intérieure, une certaine sagesse intérieure pour analyser les choses, faire le calme, être dans le silence pour pouvoir se poser les bonnes questions. D'accord ? Mais là, c'est vrai que les énergies nous parlent, pour certains d'entre vous, éventuellement de rupture, d'éloignement dans une union. Hein. On a ensuite la nouveauté, on a la déception et on a la tour. Donc, bien sûr que pour certains, il y avait peut-être un nouveau départ, hein, parce que la nouveauté sur l'as de denier, il y a peut-être eu pour certains une réconciliation, un nouveau cycle dans votre relation. Et là, on voit bien que le résultat de ça, c'est pas forcément à la hauteur de ce que vous attendiez avec la carte de la déception. Bien évidemment qu'on peut être un petit peu dans une certaine forme de chagrin, une certaine forme de solitude, hein, peut-être, pourquoi pas, avec cette tour. Alors, si on sort un petit peu du contexte relationnel, ça peut aussi nous parler de nouvelles que vous recevez d'une administration, d'un courrier, des nouvelles officielles, comme on avait ici avec cette justice, qui ne vont pas forcément en votre faveur, qui vous déçoivent, qui ne sont pas forcément positives par rapport à ce que vous attendiez. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en pleine procédure de séparation et là, ce mois d'octobre, vous allez faire un petit travail d'introspection et vous rendre compte que de toute façon, effectivement, cette relation, au final, n'était pas pour vous et que vous le savez peut-être depuis longtemps, mais que vous n'avez pas voulu voir les signes, hein, qu'il y a eu de la trahison, que voilà, on n'était pas cette union, elle n'était pas suffisamment solide et donc là, peut-être qu'il y a des nouvelles, en tout cas, qui arrivent vers vous, qui ne sont pas forcément favorables au niveau administratif, au niveau juridique, mais ça peut être aussi un nouveau départ, un recommencement, une réconciliation qu'on a voulu opérer dans le cadre d'une relation et qui ne porte pas ses fruits comme on l'entendait. On a la carte de l'amitié, on a la carte du veau d'or et on a la carte de la faux. Alors avec la carte de l'amitié, peut-être que pour certains, ça va nous parler de relations
amicale, hein, où vous avez été déçu, où vous vous êtes senti justement un petit peu exclu, et que d'un certain côté, vous l'avez toujours su au fond de vous, hein, que cette personne n'était peut-être pas fidèle, n'était peut-être pas loyale envers vous, et que vous avez fait des efforts, que vous avez souhaité tisser des liens forts avec cette personne, mais que ça n'a pas forcément, vous n'avez pas forcément récolté avec cette fausse que vous souhaitiez, parce qu'avec le veau d'or, on est dans des croyances un petit peu limitantes. Peut-être que vous revoyez un petit peu votre copie sur vos notions de qu'est-ce que l'amitié, qu'est-ce que la fidélité, qu'est-ce que la loyauté. Vous voyez, hein, il peut y avoir tout ce processus intérieur qui se fait pour vous par rapport à vos relations amicales et au fait, peut-être pour certains, de devoir couper avec certaines relations qui ne nous apportent pas, là, de la même manière, la récolte que l'on attend, qui ont pu nous décevoir, qui ont pu nous exclure, nous faire nous sentir exclus, en tout cas, hein, à un moment donné. On a le travail, on a le glaçon et on a les oiseaux. Alors là, on peut nous parler bien évidemment du travail, mais je le prendrais plutôt comme des communications. Vous voyez, il y a beaucoup d'écrans, des téléphones, des ceci, de cela. On est dans la communication un peu digitale, peut-être une communication assez froide, que vous recevez des infos que l'on vous donne et qui vous refroidissent peut-être un petit peu, des rumeurs qui courent peut-être sur une relation, peut-être des rumeurs qui courent sur une trahison que vous avez vécue. Vous apprenez ça et ça vous déçoit. Vous prenez un petit temps de recul pour réfléchir aux informations qu'on vous a transmises. Vous essayez de faire preuve de sagesse. Vous vous posez la question si tout compte fait, ce que l'on vous apprend, vous ne le saviez peut-être pas déjà intuitivement. D'accord? Pour moi, je suis désolée, hein, c'est pas des top top énergies, mais bon, voilà, c'est comme ça que je lis ce tirage, donc voilà, je transmets le message. Après, bien évidemment, j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tous les poissons. Mais avec ces cartes des oiseaux, on peut nous parler de discussions, de bavardages, de rumeurs, de commérages et de quelque chose qui vous refroidit un petit peu. Peut-être qu'on va vous communiquer par le biais des réseaux, par le biais d'un message, d'un mail, d'un SMS, qu'importe. Et que voilà, toute cette situation va vous déséquilibrer parce que vous allez peut-être apprendre justement la trahison d'un ami, hein, vous allez être déçu et vous allez vous isoler un petit peu parce que c'était quelqu'un avec qui vous étiez en pleine fusion, en pleine harmonie, et là c'est big badaboum quoi, hein. Et enfin, avec l'oracle des miroirs, on va terminer sur une note hyper fun. On a la culpabilité, on a la trahison, on a la séparation, on a l'homme et on a le choix. Bon. Et en dos de deck, on a quoi? On a l'instabilité. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui peut, j'en suis désolée, venir vous perturber sur ce mois d'octobre. On avait déjà cette notion d'équilibre ici et de perturbation, de rejet, de voilà, hein. Il y a fort à parier que on va mettre certaines choses sur le tapis là, hein, certains mensonges, certaines trahisons. Vous allez peut-être être montré du doigt, hein, par rapport à certaines situations. Vous allez peut-être vous sentir jugé par vos amis. Vous allez peut-être voilà avoir des échanges qui vont être décevants. Et tout compte fait, c'est comme si à un moment donné justement, alors peut-être que ça parlera pour une femme par rapport à un homme. Bon, mais j'ai plus l'impression qu'en fait on prend de la distance, hein, par rapport à un homme, on coupe un lien, ou c'est un homme qui coupe le lien, bien évidemment, ça peut marcher dans les deux sens. Mais il y a une notion d'action avec l'homme, d'accord? On fait un choix. À un moment donné, on se rend compte que de toute façon, il va falloir trancher, comme avec cette justice, il va falloir prendre des décisions, il va falloir prendre une nouvelle direction et s'éloigner d'énergie négative où on a face à nous des gens qui peuvent être malhonnêtes, des gens qui peuvent être dans le mensonge, des gens qui nous ont peut-être déçus, des gens qui n'ont pas été les amis que l'on croyait être pour nous. On reçoit des communications, des rumeurs, des cancans, voilà, ça nous refroidit, ça nous met dans une situation un petit peu de
Ok, stand-by, je réfléchis, moment de pause. J'essaye d'analyser les choses, je prends de la hauteur, j'essaye de faire preuve de sagesse, je ne m'enflamme pas comme ce cavalier d'épée, hein. Attention à vos mots qui peuvent être tranchants, les poissons. Mais là, il y a vraiment une notion de dire, bon, ok, il y a certaines situations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient familiales, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient amoureuses, peu importe, où effectivement certains poissons là, vont faire le choix de partir, hein, vont faire le choix de couper certains liens. On a la faux ici, on a la séparation qui est là, on a le rejet, on a le serpent, on a le pas pour vous. Bon, voilà, il y a quand même certains poissons qui vont en finir avec certaines situations, qui vont probablement prendre un temps de réflexion pour s'interroger par rapport à certaines de leurs relations, quelles qu'elles soient. Ça va pas être un choix facile, hein, parce que forcément, avec l'instabilité, on nous indique qu'on va certainement passer par des hauts et des bas, et que voilà, ça peut se révéler compliqué émotionnellement, matériellement, peu importe. Mais là, il y a vraiment une notion pour vous de devoir voir certaines alertes que vous n'aviez peut-être pas voulu voir dans certaines de vos relations sur ce mois d'octobre. Voilà pour vous les poissons. Bon, écoutez, j'ai bien conscience que c'est pas le fun absolu. J'espère malgré tout que ce message aura pu éclairer ceux qui auront besoin d'être éclairés par rapport à cette situation. J'espère que les énergies de novembre nous amèneront vers un cycle plus positif. En tout cas, voilà, de toute façon, c'est la vie. Il y a certaines choses qui sont à régler. Il y a une certaine forme d'introspection pour vous les poissons sur ce mois d'octobre et de réflexion à mener quant à vos relations. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à me faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si vous ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, merci pour votre écoute, merci pour vos messages, à très bientôt.